Salut de cellule et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tout nouveau véhicule Heavy qui est sorti. On vous a pas tout présenté et vous savez il y a pas mal de véhicules et qu'on peut pas tout faire en un jour. En tout cas sachez qu'on en live tous les soirs à 21h sur le RP. Donc ce soir rendez-vous 21h pour la suite du RP. N'hésitez pas à nous suivre, c'est en France en plus, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup on est parti, petit pouce bleu, abonnez-vous et let's go pour présenter le tout nouveau 4x4, donc c'est un SUV, donc c'est le Vulcar HKR, qui se trouve simplement dans South San Andreas et il coûte 945 000, donc c'est le véhicule le moins cher du DLC, donc je trouve que le prix est plutôt correct. D'ailleurs je vous ferai une présentation de mon garage entier quand j'aurai fini toutes mes customisations, je vous présenterai vraiment tout mon garage. Il m'en reste plus que il me reste elle et je crois qu'il me reste aussi un autre véhicule qui est plutôt pas mal aussi. Alors c'est parti, blindage, on met à fond, frein, on met à fond, pare-choc, alors pare-choc, on va voir ce qu'on a, vintage avec fort, ouais, on a comme ça aussi, non, vintage avec fort c'est pas mal je pense, pare-choc arrière, oh il y a des cœurs. Je vais mettre un cœur, allez, pourquoi pas. Moteur, bloc moteur. Alors on a poly, couleur 2 ou carbone. J'aime bien poly. Ensuite, pas poly aussi du coup. Et pareil, en poly. Voilà, on met vraiment tout en poly les gars. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment... Ouais, ah, regardez. On voit maintenant le moteur niveau 4, ce que ça change. C'est pas mal ça, moteur niveau 4 du coup. Échangeur, alors on a gros logo, double ventilation, ça change rien à la vitesse. Je pense que de série c'est bien. Je vais laisser de série parce que vous voyez c'est noir. Alors que si on met avec logo, bon voilà c'est gris quoi. Donc, comme ça j'aime bien. Alors on a échappement, wow. Ah ouais. On a échappement sur les côtés. J'aime bien ceux-là, ils sont pourris. J'aime bien ceux-là. J'aime bien aussi ceux-là. À voir. Pour l'instant, je vais mettre ceux-là. À voir après. Voilà, à voir après. Couleur 1. Et, on peut mettre une extension. On va mettre extension. Alors, calandre. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Calandre. Est-ce qu'on change ou pas? Pour l'instant, on met deux séries. On verra après. Visière de phare, on va mettre du coup visière de phare en mode normal ou en mode ruban. Ouais, ruban, allez, ruban. Capot. Alors, attache capot, ça, j'ai remarqué, vous aimez bien nous mettre ça, Rockstar. On va les mettre. Et, oh, on a capot transparent. Ah ouais. Capot transparent, pointu. Tuning. Oh, regardez pointu comment ça fait. Ah, c'est pointu, c'est pas mal aussi, hein. Et tuning, c'est ça. On va mettre tuning. Ensuite, klaxon, on s'en fout. Bon, ça, pareil. Hein. Ça change pas. On met tous les trucs à fond. Siège, GT, volant, rallye. Ah, ouais, c'est un effet bois derrière. Et ça, rembourré. Alors, ensuite, éclairage, phare, xénon. Kit néon, support néon. La couleur, on verra après. Alors, les motifs. Voilà, ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, on a des roses. Des fleurs, quoi. Il y a pas mal de trucs. Oh, ceux-là, ils sont beaux. Hein. Il est magnifique, celui-là. Bon, on les a pas débloqués, du coup. On a lui. 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 Lui ou lui. Honnêtement, pour l'instant, je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre. Tiens, je vais mettre lui. Voilà. Ça, c'est bon. Rétroviseur. Ah, les rétro, ils sont ici. On est en carbone. Couleur 2. Vignette, c'est pas mal. Hein. Ouais, je vais mettre cela. Plaque, on s'en fout. Couleur principale. Alors, ça, c'est important. Tu vois, si je mets un rouge, est-ce que ça se marie bien avec le vert ou pas? Je sais pas trop. Hein. Le vert, je pense que je vais le mettre avec du... Non.
Ouais, jouer le Racing, ça peut être bien aussi. C'est peut-être le motif qui gâche un peu, peut-être le côté vert. Ouais, je pense que je vais rester sur. Parce que c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup en jaune racing. Voilà, je vais faire jaune racing. Et couleur secondaire, pareil. On va mettre du jaune racing aussi. Et en fait, je pense que je vais mettre, les gars, un autre motif. Parce que là, le motif là va pas du tout. Couleur finition. On va mettre du rouge. Rouge sang. Couleur détail. Ça, on laisse en blanc. Alors, du coup, ça, tuning, séparateur. Moyen ou pas? Ah, c'est pas mal aussi comme ça. Ouais, comme ça, les gars. Aileron. Les ailerons sont très très sympathiques. Tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas changer la couleur. Du deuxième, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, genre, je pense qu'en bleu et noir, ça peut être. Enfin, en jaune et noir, le véhicule peut être stylé. Passement de course. Ah! Ok, alors franchement. À la limite, un truc léger comme ça. Ouais. Mais genre comme ça, non. Dégueulasse. En grand, non. Turbo, mais. Type de roue. Alors, est-ce qu'on laisse les roues de base ou pas? Non, je pense pas. Déjà, je vais mettre ça en noir, voilà. Et du coup, là, je peux changer les pneus. Vous voyez déjà, comme ça, c'est un peu plus sympathique. Je vais voir ce que j'ai d'autre. Franchement, les nouvelles jantes, elles sont vraiment stylées. Hein. Ouais. Je pense que sur ce genre de véhicule. Vaut mieux partir sur un truc comme ça. On est pas mal. Couleur des jantes. On laisse en noir. Pneu. Le petit côté jaune. On aime bien. Fumée de pneu. On va mettre du jaune. Et du coup, vitre enteintée. Alors, par contre, on va juste changer du coup. Ici. Phare xénon, c'est bon. Couleur néon. On va mettre en jaune racing. Voilà. Et du coup, ce que je voulais changer, c'était le motif. Vous voyez, comme ça, putain, ouais, comme ça, il est magnifique. Comme ça, j'aime trop. Même comme ça, hein, il est pas mal aussi. Hein. Bon, du coup, pour le coup, on n'a pas trop trop de choix. On a comme ça, pilote. Ah. Alors, soit comme ça, j'aime bien. Tu vois ce que. Ouais, comme ça. Franchement, comme ça, j'aime bien. Ok. Donc voilà ma customisation, du coup, les gars. Plutôt sympathique. C'est le véhicule le moins cher du DLC. Et franchement, je dois vous avouer que j'aime bien. Voilà. Voilà, il fait nuit. Du coup, vous verrez pas trop trop bien la voiture. J'ai peut-être rentré dedans pour vous montrer. On va juste tester la tenue de route et la vitesse. Donc comme je vous ai dit, c'est un. Ah non, c'est une berline. C'est considéré comme une berline, ça? Alors déjà, le véhicule dérape beaucoup. Au niveau de la vitesse, c'est pas trop ouf. Ouais. Par contre, au niveau de la tenue de route. Regardez si on prend un virage. Il dérape beaucoup. Hein. Ouais. Tu vois, je l'ai senti direct au démarrage. Que le. Ça démarre. Enfin, ouais, c'est. Ça dérape beaucoup. Mais en soi, le véhicule est sympathique. En soi, le véhicule est sympathique. Wow, ça sonne chez moi. Ok, du coup, les gars, n'hésitez pas à noter ma customisation sur 10. Hein, si vous deviez noter, en gros, sur 10, ma custom, vous mettrez combien? Moi, personnellement, je mets un bon petit. Après, c'est ma customisation, donc je mettrais 10. Non, en vrai, ça va, c'est top. Ça vaut un petit 8 minimum, je pense. Au niveau de la customisation, on est pas mal, tu vois, c'est un 4x4. Et le 4x4, je l'ai rendu quand même pas mal beau, hein, je trouve. Hein. Donc, regardez-moi ça. Moi, je le trouve magnifique. Hein.
ce petit côté blanc, enfin ce petit côté jaune, pardon, et noir, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Les petites jantes noires avec les pneus en noir, enfin avec les roues en jaune, vous voyez. C'est vraiment, vraiment stylé, le petit aileron noir et jaune. Vous voyez, c'est un petit mélange de noir et jaune, c'est ce que je voulais faire dans ce véhicule. En tout cas, les gars, eh bien, bon, on va cesser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que ce soir, on enlève à 21h. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le RP. Sur ce, ciao!